Et bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre petite firme avec Lan. Comme d'hab, j'ai pris exemple sur ma petite ferme que j'ai vue, qui me plaît beaucoup. Donc, on va faire... C'est un tout petit enclos. Hein, franchement, c'est juste, on va dire, un abri pour 2-3 ânes. Et puis après, c'est un enclos bête et méchant, on va dire ça comme ça. Mais que je trouve assez mignon, qui est décoré à leur façon. Enfin, à leur façon, à la façon du comment ça s'appelle, de la photo que j'ai. Et franchement, je trouvais ça très mignon. Donc, je l'ai mis. Et j'ai commencé à décorer aussi le mur qui était derrière. Et un petit peu le côté de l'enclos. Du coup, il ne restera plus que les vaches et l'alpaga. Donc, les vaches, par chance, la ferme avait. Enfin, à une étable. Enfin, un truc comme ça. Je sais pas comment on appelle pour les vaches. Une étable? Si. Ouais. Donc, je vais reproduire cette étable. Et pour ce qui est des alpagas, je vais chercher un élevage d'alpagas. Je sais pas trop, comment c'est pour le coup. Et je vais l'incorporer après à la ferme à un bâtiment que j'ai pas mis encore. Je sais pas où encore, mais voilà. Bref, du coup, je vais vous laisser avec l'accéléré, puis je vous reprends tout à l'heure.
Re tout le monde. Et du coup, ben, on fait les ânes. On a fait les ânes. Voilà. On a fait les ânes. Toujours d'après les photos. Alors, honnêtement, ben, la photo que j'ai, je vois pas à quoi ça sert, ça. Peut-être de la réaction pour évacuer au-dessus, je sais pas. Je sais absolument pas. Mais il y a ça sur le bâtiment. Et là, il y a deux ânes. 1, 2. J'en ai mis 3 parce qu'il y avait assez de place pour 3. Mais ouais, j'ai pas compris à quoi ça servait. J'ai reproduit le bâtiment quasiment à l'exactitude. Ce qui manque, ce serait juste un truc là. Je viens de remarquer en fait, c'est pour ça que je vous le dis. Ce qui manque, ce serait juste un truc ici, comme ça. Là. On va éviter la rotation aléatoire, ce serait bien. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ouais, voilà, c'est plus joli quand même avec ça. Il manque ça et puis c'est tout. Enfin, si... Bah, allez, vous savez quoi, on va faire exactement comme il l'a fait. Il y a ici. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Non, c'est pas celle-là. C'est celle en Australie. Paille de contenu Australie. Ouais, c'est celle-là. Voilà, il y a un truc ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a un là. Peut-être pour attacher les ânes. Voilà. Et puis c'est tout. Donc voilà, un petit enclos sympa pour l'âne. Je trouve ça assez cool. Bien sûr, ici c'est ouvert. Puisque d'après ma photo, tout là, il y a un lieu de vie. Où il y a différents animaux qui peuvent y aller. Donc, qui avec les... Je crois, mais attendez. Oh, d'accord, la biquette. Qu'est-ce que tu fais là? fais ta vie, Biquette, vas-y, y a pas de soucis, fais ta vie. Ah bah super, elle peut pas aller avec la l'âne. Mais ouais, c'est pour ça que c'est ouvert là. C'est parce que là, il y a un lieu de vie. Vous allez voir qu'il va être très joli normalement. J'ai commencé un peu à décorer ce mur. Et puis voilà. Donc là, oui, là, lieu de vie jusqu'à là, à peu près. Il nous reste les vaches et l'alpaga. Alors, les vaches, je sais, puisque d'après la ferme, il y a une étable qui va être par ici. Et l'alpaga, je ne sais toujours pas. Et donc, en fait, il y a un lieu, enfin, il y a un lieu de vue, ce que j'appelle, voilà quoi, qui va arriver ici, comme ça. Donc, dans l'étable, il va avoir normalement le truc des souvenirs, si j'oublie pas. J'ai déjà oublié de... Là, normalement, là, il y a un autre truc. Faut pas que je l'oublie, mais je vais l'oublier. Là, normalement, ici, il y a un lieu de vie. Je pense que c'est les...
une petite dépendance. Et puis voilà. Mais je sens que je vais l'oublier. Alors, vous savez quoi? Pour pas l'oublier, on va mettre ça comme ça. Le code du personnel, on va mettre quoi? On va mettre les soigneurs, je pense. Ah, c'est quand même gros. Hein. Ouais, fais voir la photo. Ouais, on va faire. On va s'adapter. Il y a un truc comme ça là. Et. On va mettre le centre d'échange là. Pour pas oublier, hein, je mets ça. Ah, saloperie. Voilà. Il y a un truc ici. Comme ça. Ça, je pense que c'est la boutique à... La boutique... La cabane d'outils. Donc voilà. On n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal, hein. Tac, 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 on arrive là. Mais là, ça va être sûrement de la... pure déco en fait. Donc la prochaine fois on va faire sûrement les vins. Et comme ça va fermer le corps. Et je sais pas, peut-être par là l'alpaga, je ne sais pas. On verra. Et après on va tout décorer. On aura fini la ferme, ça sera dans le workshop. Et puis on retourne à notre quotidien. Voilà, voilou. Bref, du coup moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.